Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous en ce beau lundi soir? Bonsoir, bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir. Bon lundi de Pâques à tout le monde dans le chat. Effectivement, j'espère que vous avez tous mangé beaucoup de chocolat. Juste assez, au moins. Oh, bah. S'il faut ce qu'il faut, hein, franchement. Alors, ce soir, on a le match de demi-finale de la NASTAR League pour vous. Ce soir, c'est la Team 2, encore une fois, qui est la dernière équipe en vie du club d'e-sport de l'UDM. Et on affronte Truman State, qui avait une seule défaite en saison régulière. Et eux, qui avaient perdu contre Boston University, qu'on a battu la semaine dernière. Donc, c'est un match qui est gagnable, si je peux me permettre l'expression. Oui, et, oui, totalement. On va espérer avoir une belle performance de nos joueurs ce soir de la Team 2. Malheureusement, Kinyed, qui a eu une petite panne de courant tantôt, va se faire remplacer par Dr. Love ce soir. Alors qu'on entame déjà ce premier match, mesdames, messieurs, bon match et bonne série à notre antenne. Là, c'est immédiatement SB qui va faire un premier arrêt dans ce match. Et ça va être récupéré par Capitaine Polo qui va s'amener sur l'aile, va tenter le 50-50. Ça se retrouve vers le backboard de Truman State. Et du côté de Truman State, on a Dr. Bay, Boss et Sucker Yoshi. Je crois qu'il y en a un des trois que je tenais. Je crois qu'on avait déjà joué contre eux la saison passée. Dans tous les cas, on veut les battre encore une fois ce soir. Puis là, c'est un long dégagement d'SB qui va se retrouver devant le filet Truman State. Et là, le challenge très agressif d'SB encore une fois. Ça va être dégagé par Boss. Et là, ça va être Dr. Bay. Ouais, avec pour l'instant un jeu où ça se renvoie pas mal le ballon. Grosse action là de Truman qui va finalement pas être si dangereuse que ça. Sucker Yoshi sur le backboard qui va essayer de faire la passe pour Dr. Bay. Ça ne va pas passer. Il continue à mettre la pression. Zbi qui va essayer de jouer ce backboard pour envoyer ce ballon dans le camp adverse. Il va réussir à l'amener au milieu de terrain. Et Captain Polo qui va être là pour le mettre dans le corner. Ça va être récupéré par Dr. Bay. Et à partir dans l'autre côté, il va éliminer Dr. Love, mais Captain Polo sera bien revenu en défense et va pouvoir mener une autre attaque. Il va passer un joueur, il va un peu kebab pour sur ce ballon. Finalement, ce ballon n'aura pas de tir. Dr. Love qui, malheureusement, la mettra un peu à côté. Et Captain Polo qui continue à mettre la pression. Pour l'instant, il n'y a pas eu de grosses actions très très dangereuses des deux côtés. On a quand même un peu de déchets... dans les deux jeux, des ballons pas mal ratés à l'image de Dr. Love là qui va encore rater ce ballon. Captain Polo qui va l'envoyer pour que Zbi la dégage. Ça va être la passe de Sucker Yoshi pour Dr. Bay qui va faire une mauvaise touche. Mais le tir de Bus qui sera encore une fois sur le poteau. Captain Polo qui va arrêter un ballon un peu dangereux là. Dr. Love qui va pouvoir la dégager. Pour l'instant, il y a une grosse phase de pression. Dr. Bay qui va faire un tir et ça va rentrer. C'était un peu dangereux comme phase et ils ont réussi à enfin mettre un tir cadré qui va faire que ça va être le premier but. Pour l'instant, j'ai l'impression que les deux équipes sont un petit peu froides, va falloir se réchauffer. Ouais, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se réchauffer de la part des joueurs de l'UDM. On sait que c'est une équipe qui pratique pas beaucoup, la Team 2, sont arrivés un peu dans la minute. Et surtout avec l'absence de Kenyan qui était censé jouer ce soir. Ça va changer un peu les plans de la Team 2, mais on va espérer qu'ils vont bien se réchauffer au début de ce match-ci. Alors qu'on a inscrit le premier but de la part de Truman State. Là, attention, un petit miss du côté de la défense de l'UDM. Et c'est un super barrette qui a fait pour vous. Ouais. Sur sa ligne des buts. Là, attention, on joue encore une fois dangereusement là, du côté des joueurs en bleu. Finalement, ça va être Captain Polo qui va essayer de dégager, mais aucun boost dans les avoirs. Il va aller récupérer celui dans le coin. Et finalement, va se replier pour laisser SB s'amener en 1 contre 1 face à Boss. Ballon qui se retrouve dans le coin de Truman State. Ça va être récupéré par Dr. B qui va réussir à passer Captain Polo qui s'amène à l'autre bout. Et là, Dr. B qui va tenter une passe pour son coéquipier sur un tir. Ça va être sur la barre horizontale. C'est une belle chance ratée là, de la part de Truman State. Là, on arrive en contre-attaque du côté de l'UDM. Captain Polo va tenter le tir et il va marquer. Le très beau lob de Captain Polo. Et Captain Polo qui nous avait fait des dingueries mécaniques au dernier match il y a 2 semaines. Et qui nous montre qu'il est encore en forme ce soir. Enfin, c'est le premier but de l'UDM. Même si c'était un but beaucoup moins compliqué à marquer que certains qu'il a pu mettre la semaine dernière. Il montre encore que c'est lui vraiment le striker de cette équipe. Et il va pouvoir mettre le premier but et surtout revenir à égalité.
Et ouais, on sent que là, ça peut peut-être être un peu plus pour l'UDEM, cette phase de jeu après le premier but qui a été inscrit. Peut-être avoir la possibilité de comme on disait, se réchauffer un petit peu. On sait que c'est une équipe de toute façon qui, en général, démarre mal ses BO et revient par la suite. Donc pas d'inquiétude, même si là, pour l'instant, ce match est très très serré. Ouais, et du côté de Truman State, cependant, on semble pas avoir des joueurs beaucoup plus forts que nous. Ça semble être un jeu assez égal au niveau des ranks. Ouais. Donc, bien de voir, ça risque d'être une série assez serrée. Mais j'ai l'impression que les joueurs de Truman State jouent à un jeu où ils ball chase pas du tout. Ils laissent beaucoup d'espace. Ça peut peut-être profiter aux joueurs de l'UDEM. Après, ils ont quand même un bon bilan cette saison, donc ils doivent avoir leur style de jeu qui fonctionne. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que les joueurs de l'UDEM peuvent peut-être avoir de l'espace pour faire des bonnes choses. Captain Polo qui va jouer un peu physique là, mais ça va être récupéré par Sucker Yoshi. Dr. Love qui rate le ballon, Sbi qui sera là pour le pousser. Sbi qui s'envole, qui fait la passe pour Captain Polo. Le tir de Captain Polo et ça va être totalement raté l'arrêt. J'ai pas vu qu'il était dans la cage, mais ça va être totalement loupé. Et le beau tir de Captain Polo de loin. C'est Sucker Yoshi qui sera totalement sur son arrêt, qui va permettre à 16 secondes de la fin de mener 2-1. Là, normalement, il faut juste assurer pour gagner ce premier match. Attention tout de même, avec ce kick-off qui est perdu. C'est bon, il n'arrivera pas à toucher la balle encore une fois, Sucker Yoshi. Il n'a pas l'air d'être vraiment dans son match, le pauvre. Ça profite au joueur de l'UDEM, tant mieux. Attention à ce ballon tout de même. Dernière seconde, il faut essayer d'aller faire toucher le sol à ce ballon. Et c'est fait. Captain Polo, MVP évidemment, auteur des deux buts. Et on est sur déjà un premier match gagné. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait toujours plaisir de prendre les devants dans cette série, surtout la Team 2 qui d'habitude commence les séries un peu plus lentement. Aussi, c'est un best of 7 ce soir. Donc ça risque d'être une longue série, mais on prend les devants déjà en partant. C'est toujours une bonne nouvelle. Et surtout, on a l'impression que Dr. Bae est un peu tout seul dans son équipe, parce que mine de rien, il a un but et deux arrêts. C'est le seul à avoir des arrêts et le seul à avoir des buts dans l'équipe de Truman State. Donc il va falloir que les autres joueurs de son équipe se réveillent un peu s'ils veulent pouvoir aller accrocher des matchs. Surtout que c'est un peu la faute, j'ai envie de dire, de Sucker Yoshi, même si Buzz se donne un petit peu, si ce deuxième but a été marqué, mine de rien. Ouais, bien de voir à quel point les joueurs vont s'être réchauffés dans ce premier match. D'après moi, on va voir des joueurs un peu plus agressifs du côté de l'UDM et peut-être un changement de stratégie de la part de Truman State. Comme tu l'as dit, Zalou, c'est une équipe qui est pas très agressive. Et si on nous laisse beaucoup d'espace comme ils l'ont fait au premier match, ça risque d'être difficile pour eux ce soir. Effectivement, ouais. Et on est reparti directement pour ce deuxième match avec l'engagement de Sbi qui va profiter à Buzz, qui va tenter un tir, mais bien arrêté par Camille Polo qui n'a même pas eu à bouger pour être sur la retombée de ce ballon. Buzz qui va repartir, qui est peut-être plus dans une stratégie de ball chase là. On a peut-être décidé d'augmenter un peu le rythme de jeu de la part de Truman State, j'ai l'impression. Peut-être que c'était. On a décidé de trouver une stratégie, ou peut-être qu'on va tout simplement jouer les démos. En tout cas, on a l'air d'avoir changé quelque chose dans le style de jeu de Truman State, ça c'est sûr. Jouer un peu plus agressif, un peu plus rapidement, un peu plus physiquement aussi. Et en tout cas, ça a l'air de plus ou moins bien marcher parce qu'ils viennent d'avoir quelques actions un peu dangereuses, mais pour l'instant, les joueurs de l'UDEM tiennent bien. Même si, ouais, je pense qu'ils ont décidé de jouer un peu plus les démos. En ce début de match, on a eu pas mal de bumps, pas mal de démos. Ça a l'air de jouer dans ce sens-là. Ouais, clairement, ils jouent de la démo, ouais. Ouais. Il va falloir répondre du côté des joueurs de l'UDEM. En tout cas, très beau tir de Captain Polo qui aurait pu être méchant. Dr. Love qui va essayer de garder le contrôle de ce ballon. Buzz qui va être un peu tout seul face à un open. Non. Dr. Love était bien revenu. Captain Polo qui va pouvoir tenter le tir, c'est bien arrêté par Dr. Bae, mais Sbi et Dr. Love qui ont un peu de double commit pour essayer de reprendre un tir. Ce tir sera sur la transversale de la part de Sucker Yoshi et le deuxième tir de Dr. Bae qui sera bien arrêté par Captain Polo. Encore une fois, il est partout
et il va repartir à l'attaque. Ce ballon va aller sur le backboard et il va rester dans le coin. Sbi qui va être là pour pouvoir essayer de le jouer. On n'aura pas d'action pour l'instant dangereuse sur cette phase. Dr. Bike qui va envoyer ce ballon en l'air. Et Sbi qui va avoir l'opportunité de tir. Ça va être sur la barre transversale et Captain Polo pourra pas prendre le tir. Et là ça va être open totalement net pour les joueurs de Truman State. Mais ils vont se rater les uns après les autres. Ah, dommage. Et on a failli faire tout un cafouillage de la part de Truman State. Alors que les deux joueurs ratent un tir complètement ouvert. Ah ouais, alors là, s'il ratait ça, je disais que c'était une victoire pour l'UDEM directement. Hein, là. Non, mais ça prouve un manque de confiance pour les joueurs de Truman State. Et on peut clairement en profiter de ce genre de choses. Mine de rien, là, il va falloir qu'ils se reprennent un peu parce que... Là, on est même pas à la moitié du match. Les joueurs de l'UDEM ont clairement le temps de pouvoir remettre des phases d'attaque. À l'image de Sbi qui joue très avancé à la défense, là, qui va pouvoir garder le ballon dans leur camp. Captain Polo qui essaye de prendre le ballon si Soccer Yoshi allait rater, mais finalement, il pourra pas. Dr. Love qui va tenter la passe pour Sbi. Il va rater ce ballon malheureusement et il va devoir revenir en défense. Avec Buzz qui va essayer d'être le premier sur ce ballon, mais ça sera Dr. Love qui sera dessus. Mais Buzz qui follow bien ce ballon. Ce ballon qui va être raté par 3 joueurs en même temps. Soccer Yoshi qui va être le premier à la retomber. On a plus une phase de pression des joueurs de Truman State et on laisse le but open malheureusement. Ouais, clairement, on était un peu booster ici de la part des joueurs de l'UDM et comme tu l'as dit, on met énormément plus de pression sur les joueurs de l'UDM en défense. Et ça va payer ici 2 buts assez rapidement dans le match pour les joueurs de Truman State qui ont clairement changé de style de jeu. On est plus agressif, on y va pour du jeu physique aussi. Ça n'a pas fruit pour le moment. Là. Ouais, après, c'est une histoire d'adaptation. Hein. Si les joueurs de l'UDM arrivent à s'adapter à ce style de jeu, ils vont pouvoir totalement contrer. Mais là, ouais, là, ça joue très physique, ça bump les défenseurs. Et ça met des buts grâce à ça. Malheureusement, on va avoir Dr. Love qui va se faire totalement bump. Et ça va laisser l'opportunité de tir à Dr. Bae. Dommage. Ouais, je pense qu'on a un peu ralenti notre jeu de la part des joueurs de l'UDM, mais je pense qu'on jouait mieux quand on était plus rapide, surtout là 2 semaines. On avait très bien joué en équipe, des sublimes passes entre Captain Polo et Sbi notamment. Là, il va falloir tenter d'augmenter un peu le rythme de jeu si on veut contrer l'attaque assez rapide. Dr. Lodge va s'en défiler au vert et va marquer. Et c'est pas terminé ce match-ci, on a encore du temps là. Ah, 1 minute 25 pour mettre 2 buts, c'est plus que suffisant. Surtout si on a des buts grands open comme ça. Open net, on va pouvoir sûrement en marquer un ou deux autres. Attention tout de même, parce que là, prendre un quatrième but, pour le coup, ça signifierait perdre ce match. En tout cas, il y a de grandes chances. Speak, il va pouvoir avoir une opportunité de tir face sur un open et ça rentre. Et Sbi attention, qui... on a Sbi un match. Là, on a 2 open qui sont laissés par les joueurs de Truman State. Ils ont peut-être pris un peu trop la confiance. Captain Polo qui allait défendre le joueur de Truman State qui a touché le ballon, mais pas assez pour le dévier. Et attention, les joueurs de Truman State là, ils viennent peut-être de clouer un peu leur cercueil. Ouais, on sait, la Team 2, c'est une équipe qui a du caractère, ils vont jamais abandonner tant que c'est pas fini. C'est clair. Bon, est-ce qu'on peut aller chercher un dernier but pour forcer au moins la prolongation en cette fin de match? Encore 50 secondes à faire. Ça va être surtout le beau challenge ici. Ouais, surtout qu'on a eu une promesse d'overtime de 20 minutes pour laisser le temps de la King Head de revenir. Effectivement. Donc on veut voir ça, nous, dans ce match-là. Peut-être un nouveau record de la plus longue prolongation ce soir, mais pour l'instant c'est Dr. Liv qui va tenter des dérangements, ça va être fait à la droite parce que Captain Polo se fait prendre un peu de vitesse, ça va être récupéré par Sbi mais contré par Soccer Yoshi. Là, ça va être Dr. Liv par le mur, le double commit, le tir de Dr. Liv, c'est dangereux ici. Là ça va être Captain Polo pour Sbi qui va tenter le long jeu, ça se retrouve vers le backboard dégagé par Boss. Le ballon qui revient un peu en milieu de terrain, le miss de Dr. Love ici. Captain Polo va tenter la feinte, peut-être un bomb sur Soccer Yoshi. Non, malheureusement, ça va être dégagé.
Et 4 secondes à faire. Est-ce qu'on peut tenter un dernier tir de la part de l'UDM? C'est Sbi qui veut le faire, mais ça va être le voilà. Trop peu, trop tard pour les joueurs de l'UDM, malheureusement. Malheureusement, oui. Mais ils se sont mis un peu en confiance. Ils se sont prouvés qu'ils étaient capables de revenir. Donc pourquoi pas? Encore une fois, Captain Polo avec le plus de points, même si cette fois-ci il n'a pas marqué. Mais un très bon jeu d'arrêt, mine de rien, on peut le souligner quand même. 6 arrêts, c'est pas si mal. Il faut essayer de combiner la bonne attaque qu'on a eue sur le premier match avec la bonne défense qu'on avait sur ce match-là. Et normalement, on devrait être capable de les gagner. Ils sont loin d'être incroyables, ces joueurs-là. Il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, et on va le noter, c'est quand même la première défaite seulement de cette série de playoffs, parce qu'on n'avait pas perdu il y a 2 semaines contre Boston University. On avait balayé Boston University 4-0. Yes. Et là, c'est la première défaite en série pour la Team 2. Donc, bien hâte de voir comment on va réussir à se reprendre en ce match numéro 3. Ouais, après, comme tu as dit, c'est une équipe qui clairement a pas trop de problèmes de mental détruit en général. Donc, ils devraient être capables de revenir et de se remettre dedans. C'est une série qui est assez longue, hein. Il faut en gagner 4 matchs. Donc, c'est loin d'être fini. Et on va avoir un premier tir de bus qui va être dévié. Sbi qui va être dans les airs. Attention, là, ce ballon qui traîne bien dans le camp de l'UDEM. Il faut essayer d'aller le dégager. Voilà, c'est chose faite. Sbi qui a une opportunité de tir. Malheureusement, le tir sera un poil trop faible pour pouvoir aller directement dans le filet. On va avoir le tir ceiling qui ne va pas passer. Sbi qui va être bien sur ce ballon, bien agressif. Captain Polo qui s'envole. Sbi encore une fois, Captain Polo qui sont à l'attaque et ça va être Dr. Locke qui va avoir l'opportunité de tir malheureusement. L'angle était un peu compliqué à avoir. Captain Polo qui va la remettre au centre. Il va essayer de prendre un tir pour lui-même. Mais ça ne marchera pas. Sbi qui va encore une fois continuer à mettre la pression. Le beau bump qui. Oh là là. J'ai cru qu'on allait rater cette opportunité. Captain Polo qui a raté un peu son tir avec un angle très compliqué encore une fois, mais finalement ça deviendra une passe backboard pour Dr. Love qui va pouvoir la placer parfaitement. Et cette fois-ci on mène, let's go. Et voilà, c'est toujours important de marquer le premier but dans un match, ça nous donne la confiance, ça nous donne l'énergie, et c'est Dr. Love qui va le faire en ce match numéro 3. Très beau jeu de la part des joueurs de l'UDM. Et voilà, Boss qui va tenter de répliquer, ça va être très tôt poussé à l'autre bout par Dr. Love, il n'y a pas de boost malheureusement, là c'est le 1 contre 1 entre Captain Polo qui va le remporter. Là, ça va être Boss qui va gagner sa course. Mais pas beaucoup de boost de son côté également. Là, c'est Dr. Love qui va rater son challenge ici. Boss qui a toujours le contrôle du ballon, va récupérer le boost. Là, ça mène en arrière, va tenter de double tap. Le tir, ça frappe la barre horizontale. C'est bien tenté ici. Là, Captain Polo qui réussit à déjouer un joueur va s'amener vers le mur, va récupérer le boost en déjouant le deuxième. Mais ça va être récupéré par Boss, aussitôt renvoyé par Dr. Love au milieu de terrain. Avec Captain Polo qui remporte sa course. Là, c'est Sbi qui a aucun boost dans les avoirs. Peut pas faire grand chose ici. Finalement, Dr. Love va garder la pression du côté des joueurs de Truman State. Captain Polo vers le backboard. Personne du côté de l'UDM pour tenter un challenge. Finalement, ça va être Dr. Love qui va renvoyer encore une fois au backboard pour Captain Polo. Magnifique! Magnifique tir de Captain Polo, celui-là. La passe backboard avec l'angle de Captain Polo qui est vraiment très très fermé. La touche parfaite. Ouais, la pause parfaite également de Dr. Love qui était beaucoup trop haute pour le défenseur dans le filet. Ouais, non, c'était une très belle action. Et ce qui est bien, ce qui me fait plaisir à voir, c'est de voir qu'ils ont un jeu collectif, même sans que ce soit Sbi et Captain Polo qui sont impliqués ensemble. Bon, même si Dr. Love ne fait pas partie de l'équipe officiellement d'habitude. Mais ça fait plaisir à voir quand même. C'est du beau jeu. Ouais, Dr. Love qui remplace très bien Kenyan pour l'instant ce soir. Ouais, effectivement, il fait parfaitement son rôle un peu défensif aussi, comme King Ed peut faire de temps en temps, même si là, il nous a quand même montré des belles choses offensives. Et là, ça va être Sbi qui récupère au milieu de terrain, va épuiser tout son boost, va devoir se replier. Et ça va être Captain Polo, une touche dangereuse devant son filet ici, les 3 joueurs qui vont commit. Finalement, ça se retrouve dans le coin de l'UDM. Le Dr. Love qui rate un peu sa touche, même chose pour Captain Polo. Finalement, c'est Sbi. Et là, Captain Polo qui a un peu de mal. Il peut rester à marquer. Non, dommage. Ça va être récupéré par Dr. B dans le coin.
une belle démo là, de la part de Dr. V sur Captain Polo. C'était dangereux ici. Lesbi, attention, la touche dangereuse au milieu de terrain. Captain Polo qui était bien placé pour récupérer. Là, le ballon qui se retrouve sur le capot de Dr. Lush va tenter de tirer. Ça rate à la gauche. Là, la passe arrière vers Lesbi qui est un peu trop loin. Oh là, attention, non, le pied directement vers le filet. Oh, c'est Captain Polo qui fait l'arrêt. Ouais, la belle démo de Lesbi ici. Le Dr. B qui tente un peu une dinguerie mécanique, ça va être raté. Là, ça va être Sakuyoshi qui va s'envoler. Finalement, il va rater son jeu. C'est Captain Polo qui récupère. Mais attention, le challenge de Dr. B, ça se retrouve devant le filet de l'UDM. Ça va être repoussé dans le coin. Captain Polo qui va dégager à l'autre bout. C'est bloqué partiellement par Sakuyoshi. Là, c'est le 50-50 avec Dr. Love. Et là, c'est dans le coin SB qui va tenter une passe pour Captain Polo, peut-être. Non, finalement, il était pas là. Isby qui va poursuivre tout seul de son camp. Et là, attention, c'est dangereux là, de la part de Truman State. On est un peu désorganisé devant le filet. Finalement, ça va être Isby. On va tenter la passe pour Captain Polo. Le challenge. Et le filet oh, ouvert. Captain Polo! Et voilà. 3 à 0. Ouais, et Captain Polo qui fait une très belle action où il élimine deux joueurs tout simplement. Et il prend son tir. Ouais, et Sakuyoshi, Sakuyoshi qui a manqué son challenge, il s'est fait prendre de vitesse, je crois, il y a du backflip. Ouais. Et Captain Polo qui en profite. Et ça fait encore. Ça fait bon. Attention, mine de rien, mais en 50 secondes, je pense qu'on peut d'ores et déjà dire que ce match est sur de très bonnes voies et qu'on va peut-être mener 2 à 1 dans la série. Dr. Love qui essaye d'aller peut-être en marquer un quatrième. En tout cas, on peut voir quand même que sur le tableau des scores que Buzz est vraiment en difficulté dans ce match-là. Là. Et que c'est compliqué. J'ai l'impression que les joueurs de Truman State sont un peu inconstants. Parce que mine de rien, c'était du beau jeu ce qu'ils nous proposaient dans le match d'avant. Et là, ils font énormément d'erreurs. Ou bah, parlons d'erreurs. Et de Buzz qui avait pas un bon score. J'ai rien dit. Allez, c'est des ça, mon cher Zalou. Ouais, ouais. Ouais, bah là, c'est des grosses erreurs de l'UDEM sur un match qui, de toute façon, est probablement déjà gagné. Ils étaient un petit peu. Ils étaient un petit peu. Un petit peu. Bon, je pense qu'ils étaient un petit peu éteints et juste. Ils pensaient déjà au match d'après. Mais. Voilà, les dernières secondes qui s'écoulent dans ce match numéro 3. Et à moins d'un dernier tir, on risque de se retrouver en avantage pour les joueurs de l'UDM. 2 à 1 dans la série. Alors que le ballon va bientôt toucher au sol, peut-être. Non, on essaie de le garder en vie. Dr. B, peut-être un tir, voilà, balle ball. Oh, et quel touche ici, Captain Polo. Sakuyoshi qui la garde en vie. Sby qui va essayer de la renvoyer de l'autre. Et ce ballon va toucher le sol, enfin. Après un certain nombre de secondes en l'air. Mais ça va bel et bien être les joueurs de l'UDEM qui vont gagner ce match et qui vont être à 2 à 1. Qui vont être à 2 à 1 dans cette série. Ouais, et là, le prochain match va être très important parce que si on le remporte du côté de l'UDEM, on se retrouve en situation de match point pour 3 matchs consécutifs. Effectivement. Et si on le perd, on se retrouve à une situation d'égalité 2 à 2. C'est pas ce qu'on souhaite pour les joueurs de l'UDEM. On veut absolument. Gagner cette série-là le plus rapidement possible. Mais bien de voir, pour l'instant, on joue très bien, mis à part quelques erreurs ici et là. Mais les joueurs de l'UDM sont en forme ce soir, malgré l'absence de Kenyed. Et je pense qu'on peut définitivement aller chercher cette série-là ce soir. Et aller surtout chercher une finale la semaine prochaine. Effectivement. Et ça ferait plaisir. Un peu, ouais. Parce que il me semble qu'on n'avait pas eu de finale la session dernière. Non, effectivement. Le plus loin qu'on s'était rendu, c'était la Team 1 avec Banane et Jerry. On s'était rendu top 8. Mais là, cette saison-ci, c'est la Team 2 qui vole la vedette. Qui est la dernière équipe en vie du club d'e-sport au complet. Toutes les autres équipes de Valorant CSGO aussi sont éliminées. Et vraiment, c'est le dernier espoir d'un championnat pour la Team 2 ce soir. Et on continue de belle façon pour l'instant. Alors qu'on met 2 à 1 la série Dr. Lodge, il va réussir. Une touche assez difficile, qui va remettre dans son propre coin. Qui va venir récupérer le boost, mais va se faire challenger par Sakuyoshi. Là, ça va être Captain Polo. Qui va dégager à l'autre bout, c'est raté ici par Boss, attention là. Ça va être peut-être une opportunité pour les joueurs de l'UDM avec une belle passe de SB vers le bad boy. Finalement, ça va être repoussé par Boss. Là, attention, un double commit de la part des joueurs de l'UDM. Finalement, ça va être Sakuyoshi qui va se faire challenger par SB. Captain Polo qui a une opportunité pour marquer. Oh là là!
C'est 1-0. Et directement, Captain Polo qui met les points sur le i. Décidément, ce Captain Polo, il en marque des buts. Il fait une double tap grounded. Il passe backboard à lui-même et ça va venir mettre le premier but. Après seulement 46 petites secondes de jeu. Pour essayer de ne pas laisser respirer ces joueurs de Truman State. Et on va avoir un tir de Dr. Bae qui va aller sur le backboard, bien arrêté par Zbi. Dr. Bae qui va encore mettre la pression, mais Zbi qui va profiter du fait que dommage. Oh, l'arrêt était fou, mais malheureusement la balle traînera un peu et c'est réussi, aura l'opportunité de prendre un tir. Ouais, il faut pas oublier qu'on est capable de marquer là, la part de Truman State. On a quand même une victoire en banque, donc faut pas les laisser leur laisser trop l'espace. Ouais, c'est sûr que. Oh non. Complètement ici et Boss qui va en profiter. Ouais, là on s'est laissé endormir. Pour les joueurs de l'UDM, faut se réveiller. Et quand même, j'ai noté la super passe de Soto Yoshi en se faisant bomb par Dr. Love. Ouais, quand c'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais. Mais c'est loin d'être fini là, il reste encore beaucoup de temps, il n'y a que un but d'écart. Et voilà, Captain Polo qui va tenter une autre dinguerie mécanique, peut-être un flip reset. Oh là là, dommage. De la part de Truman State, ça va se retrouver devant le filet, attention, et Soccer Yoshi qui rate complètement sa touche, ça va être récupéré par Zbi. Yes, je peux tenter la passe pour Captain Polo, la double sling, la part de Truman State. Là, ça va être Dr. Love qui a un peu d'espace, ça va être une passe pour le mid, mais personne n'est là de la part de l'IDM. Attention, la touche qui va tomber en chute libre ici. Attention, Yoshi, qui va Yoshi. Magnifique. Ouais, Captain Polo qui était placé de façon difficile directement en dessous ici. Qui va arrêter sa touche, même chose pour Dr. B, mais Soccer Yoshi qui est bien placé pour marquer. En fait, Captain Polo a fait le choix d'aller bump Dr. Bae pour pas qu'il puisse prendre une opportunité de tir, mais il y avait Soccer Yoshi derrière qui a pu tirer. Et 3-1, Captain Polo qui s'envole, qui fait la passe devant le filet, mais personne sera là pour la retomber. Dr. Bae qui élimine Dr. Love, qui élimine Zbi, qui n'éliminera pas Captain Polo. Et on va avoir besoin de marquer très rapidement si on veut pouvoir revenir dans ce match et pas se retrouver à 2-2. Attention, mine de rien. Oh, il a le ballon qui coupe la ligne. Et on joue un peu de panique là, de la part des joueurs du DM en défense. Il va falloir faire attention ici. Dr. Lodge va rester là. Il a un autre dégagement à l'autre bout de la part de Truman State. C'est récupéré par Captain Polo difficilement devant son filet. On tente la passe devant le filet ici de la part de Truman State. Captain Polo qui réussit le dégagement. Aucun boost dans le réservoir. On va aller récupérer celui dans le coin de l'équipe adverse. Ça va être Dr. Bae. Il va remettre un peu plus loin. C'est contré par Dr. Love. Très efficace ici. Là, c'est Captain Polo qui était en attente de la touche de Truman State. Finalement, ça va être dégagé par Boss ici. Le chat touche ici de la part de Truman State pour sortir de leur territoire. L'attention est devant le filet de Soccer Yoshi, c'est récupéré par Captain Polo. Captain Polo qui est vraiment partout ce soir. Autant la taille de la porte de Captain Polo. Et Dr. Love qui a tout simplement besoin de tirer directement vers le filet. Captain Polo qui avait tout fait sur ce jeu-là. Je suis sûr que si Dr. Love est pas là, Captain Polo il peut aller la pousser. Je suis convaincu. Probablement. Il nous a fait des petits miracles dans le passé. Et là, on revient à un but d'écart. On est capable en 1 minute 30 largement d'aller marquer un but. On l'a vu sur le match 2 qui était capable de marquer dans cette situation où ils sont menés. Et là, il faut juste profiter d'une erreur de Truman State. Captain Polo qui va essayer d'aller prendre le bumping, n'y arrivera pas malheureusement. Dr. Love qui va tenter le tir, ça ne va pas passer. Et là, on va avoir Zbi qui va se retrouver tout seul. Oh là là là, ce ballon qui rentre pas encore une fois. Alors là, très bien joué de Zbi. Ouais. Et Captain Polo qui a peut-être une opportunité. Non, malheureusement, ce sera récupéré par Dr. Bae. Et Zbi qui va se louper un peu. Dr. Love, la belle défense, bien gérée.
le tir de Soccer Yoshi qui va rentrer. Et Soccer Yoshi qui te fait un sacré match là, triplé. Ouais, et je crois que ça pinche avec son coéquipier ici. C'est peut-être fait aider de la part de boss. Il a tué qui était violent ici. C'était pas facile à arrêter ça ici. Ouais. Mais ouais, c'est sûr que. C'est sûr que je. Je pense qu'ils ont quand même un peu de chance sur certains de leurs buts là, Truman State. C'est peut-être juste un manque de réussite aussi sur ce match. Ouais. Et là, avec un peu plus de 30 secondes à faire, ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut aller chercher un dernier but de la part des joueurs de l'UDM pour te redonner confiance? Là, ça va être B qui va s'amener peut-être une passe pour le Captain Polo. Oh, c'est bien arrêté par Soccer Yoshi. Ouais, vraiment, Soccer Yoshi qui se démarre dans ce match-ci. 3 buts, une passe, 2 arrêts. Ouais, gros gros score de Soccer Yoshi là. Là, ça va être B qui va rater la même chose pour Dr. Love. Captain Polo qui va s'amener peut-être un dernier tir. Non, ça va être repoussé par Boss. Soccer Yoshi qui va s'amener pour aider son coéquipier. Et voilà, les dernières secondes de ce match-ci s'écoulent. Et on va créer l'égalité dans la série de la part de Truman State. 2 à 2. Ouais, 2 à 2. Après, c'est sûr qu'on n'est pas sur le match le plus mal géré de la part des joueurs de l'UDEM. Ils ont laissé quand même quelques open qui ont permis aux joueurs Truman State de marquer. Il faut qu'on essaye de moins faire d'erreurs comme ça. Et normalement, ça devrait pouvoir passer. Ouais, malheureusement. Le prochain match il va être quand même crucial ici parce que le gagnant va se retrouver en situation de match point. Donc, on veut vraiment pas laisser Truman State prendre l'avance dans ce match numéro 5. Alors qu'on est reparti sur Wasteland Knight. Captain Polo qui va se rendre à l'engagement. Kisby qui va rater son challenge ici. Dr. B s'amène très rapidement. Ça va être bien dégagé par Dr. Love. Et ça va être B qui va s'envoler. Peut-être un Eldridge Ball. Voilà, c'est pour Dr. Love qui s'amène en renfort. Et là, attention, c'est un quel bel arrêt de Soccer Yoshi ici. B qui va se faire contrer par les joueurs de Truman State. Il y a une touche un peu molle ici de Dr. Love qui va remettre tout simplement sur le capot de Truman State. Dr. Love pour Captain Polo, c'est bien fait ici. La belle transition de la part de l'UDM. Dr. B qui va remettre un peu plus loin. Il va réussir son challenge ici. Il peut s'amener en vitesse. Il va tenter le tir. Là, c'est bien fait de B qui s'amène rapidement. Il va rater sa touche ici par contre. Et là, c'est le tir de boss. Et Dr. Lee fait un bel arrêt, Captain Polo, oh, même Captain chose. Polo. Ici, Dr. B qui va s'amener. Quel arrêt de Captain Polo. Et on tire là côté de l'UDM. Et Captain Polo qui mène l'attaque en plus. Ah, dommage ce tir qui était en pleine lucarne. Mais Soccer Yoshi aura la range de l'arrêter. Et là, ça joue très vite pour les joueurs de l'UDM. Ils ont beaucoup d'actions compliquées. Ouais, là, on peut pas faire des arrêts miraculeux à chaque fois. C'est dommage. Il laisse trop d'espace au joueur de Truman State en attaque. Ce qui leur permet de marquer. Ouais, on dirait qu'on sent que Truman State a récupéré le momentum ici. On joue beaucoup plus rapidement les joueurs de l'UDM, ça passe fou ici. On n'est pas très bon mécaniquement de la part des joueurs de Truman State, mais les beaux jeux qu'on fait en équipe, les belles démos aussi. C'est ça qui vient faire la différence pour l'instant dans ce match numéro 5. Là, ça va être le beau challenge de Soccer Yoshi. Dr. Love qui hésite un peu va faker son propre Quick Piece B. Le Dr. Love qui récupère le boost va être plein carburant. Va tenter de tirer. Non, finalement, ça devient une feinte. Est-ce qu'on peut tenter un tir? Captain Polo qui arrive un peu trop tard. Le CSB, attention, double commit avec Captain Polo. Soccer Yoshi qui va être le premier dans le coin, va tenter la passe vers Boss et c'est bien challengé par Dr. Love et Captain Polo ici. DB qui remet devant le filet, attention personne pour l'UDM pour aller challenger ce ballon. Finalement c'est Soccer Yoshi qui rate son tir. Dr. B vers le ballboy, attention, touche dangereuse de Captain Polo. Et on semble hésiter un peu là, qui va se rendre sur le ballon du côté des joueurs de l'UDM. Un peu de panique en défense, là, attention Soccer Yoshi, quel arrêt de DB. Sur sa ligne des buts, Captain Polo qui réussit l'engagement. L'attention boss qui rate sa touche, Captain Polo est-ce qu'il peut l'entendre? Captain Polo va à dommage. Soccer Yoshi. L'attention de Dr. Love, ça va la tirer. Dr. Bae qui l'arrête. Ah, c'est. Il y a de l'intensité là. Ils mettent une grosse phase de pression, les joueurs de l'UDEM là. Ça peut se finir par un but. Attention.
Attention, faut bien jouer. Oula, on va voir ce but qui va être ouvert, mais personne sur le ballon. Donc Soccer Yoshi qui va pouvoir prendre un tir, qui va faire la passe à son coéquipier, mais ça va être bien défendu par Zbi et Dr Love qui va remettre ce ballon au milieu. Zbi qui va faire une passe en arrière pour son coéquipier Captain Polo. Captain Polo qui va pouvoir toucher ce ballon, qui va essayer de mener une attaque, qui va éliminer un joueur. Il va pas pouvoir continuer à prendre le contrôle de ce ballon. Ça va être Zbi qui va essayer de le toucher, mais on va avoir deux joueurs qui vont être éliminés. Le beau tir, mais Dr Love, très bel arrêt. Et Zbi qui est réapparu et qui va pouvoir essayer de faire quelque chose. Malheureusement, non. 1 minute 30 à jouer. Il faut essayer d'aller marquer le plus rapidement possible. Captain Polo, le tir. Oh là là, encore un arrêt de la part de Truman State. Impossible. Ils ont combien d'arrêts là? Ils en ont déjà 12 arrêts, c'est pas possible. Pas 12 arrêts, pardon. 12 tirs. 5 arrêts. Quand même beaucoup. Très beaux arrêts. Surtout Yoshi qui en a 4 à lui seul. Attention, Boss Samen va réussir à contrer Zbi. Le Captain Polo qui ponce dans le poteau. Finalement, le ballon qui se retrouve devant le filet très haut. Et on peut pas réussir un tir de la part de Truman State. Boss qui s'amène en vitesse. Dr. Love qui va rater sa touche. Boss qui va tirer. Oh, Captain Polo, un arrêt. Et Captain Polo aussi, là, lui qui en a 5 arrêts ce soir dans ce match-ci. Et toute une performance défensive. Mais là, faut aller marquer là, de la part des joueurs du DM. Ouais, 30 secondes, c'est chaud. Captain Polo va se l'envoler. Soto Yoshi encore une fois va réussir l'arrêt. Captain Polo qui récupère dans le coin. Va tenter à passer là, pour jouer agressif là, de la part de Zbi. Dr. Love aussi. Donc, ouais, ils sont trop passifs là. Là, c'est Zbi qui s'amène. Pas beaucoup de boost dans les avoirs. Va se faire battre de vitesse. L'attention de Dr. Love qui rate sa touche. Ça se retrouve vers le bad boy. Là, 13 secondes à faire. Aucun boost de la part de Boss. Va tenter la passe pour son quick pied. C'est contré par Captain Polo. Là, c'est allez, Zbi. Il a la dernière action. Dr. Love très haut dans les airs. Captain Polo semble pas avoir de boost pour aller challenger le ballon. Et on va marquer. Oh, là, là. Malheureusement, avec la dernière seconde. Aucun temps à faire. Et Truman State qui reprend les devants dans la série. Et on se retrouve au match point pour Truman State. Du côté des joueurs du DM, va falloir se réveiller parce que c'est win or die à partir de maintenant. Ouais, et c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'ils ont un peu baissé leur niveau de jeu. Ils étaient bien meilleurs sur les premiers matchs qu'ils ont gagnés. Et il faut reset mental là et il faut aller chercher ça vite. Ouais, il faut surtout neutraliser Soccer Yoshi là, qui nous fait deux matchs, des très belles performances, 700 points et plus dans les deux derniers matchs. Donc vraiment, mais c'est aller démo si on veut jouer physique. Mais ouais, je pense que la solution, c'est effectivement de jouer physique et d'aller détruire Soccer Yoshi totalement, de ne pas le laisser jouer. Et ça devrait pouvoir être capable de marquer. Et on va avoir directement le début qui va être... Ouais, non, alors ça... Le on-goal, c'est pas forcément... Ouais, c'est pas ce qu'on voulait pour commencer le match. Malheureusement, Dr. Love qui a pas dû toucher ce ballon. Je pense qu'elle y va quand même. Il y a moyen qu'elle y aille quand même, mais ouais, c'est dommage. Et voilà, on perd le momentum qu'on voulait instaurer dès le début du match. Zbi qui va s'amener tard pour la double tir de Zbi. Et là, ça c'est tout un clip, mesdames, messieurs. Ah oh ouais, alors la ça... double tap avec vitesse. Oh, quel jeu de Zbi ici. Ah oh ouais, alors magnifique. Il a juste dit, bon, maintenant ça suffit les bêtises. On va aller gagner ce match-là. Waouh. On quel but de Zbi. Sa manette à mini citron, notre expert des double taps. Oui, effectivement. Là, ça va être Boss qui va s'amener. Attention, le filet est complètement... Encore une fois, une erreur. Non, c'est dommage, ça. Captain Polo qui fait une touche... totalement une passe pour Boss. Et ça prend de vitesse... Ça prend de vitesse Dr. Love qui peut pas aller l'arrêter. C'est dommage, ça, encore une fois. Encore une erreur. Après le beau clip de Zbi, on se prend un autre but comme ça. Ça fait mal, mais encore amplement de temps de la part des joueurs du DM pour aller chercher ce match-là.
Là, ça va être Dr. B qui va être dégagé à l'autre bout. Ça va être bloqué par Captain Polo. Ça revient dangereusement devant le filet de l'UDM. Mais Dr. Love qui était bien placé va réussir le dégagement à l'autre bout. Finalement, c'est renvoyé par Dr. B. Là, c'est Sato Yoshi. On sait, il est dangereux. C'est clairement lui le joueur étoile de la part de Truman State. Captain Polo va s'amener, va tenter la feinte sur les deux joueurs de Truman State qui s'en venaient en repli. Mais ça va être B qui va bloquer le dégagement. Ça va être récupéré par Sato Yoshi. Le ballon qui se retrouve en territoire neutre. L'attention de Sato Yoshi qui est très rapide. Va contrer Dr. Love, finalement, remet devant le filet. Personne pour récupérer de la part de Truman State. Boss qui va tenter la passe. Ça va être le challenge. Oh, Captain Polo qui est en open. Oh non! Il a réussi le bomb, mais Sato Yoshi était bien placé pour faire l'arrêt. Là, ça va être B. Alors, un contrôle face à Boss. C'est B qui a trop pris son temps ici. Il va se faire prendre de vitesse. Là, le ballon se retrouve très haut dans les airs. Dr. B qui va tenter la passe pour son coup de pied. SB qui va faire une touche très dangereuse devant le filet. Le tir et ça rate à la droite. C'était prêt. Bon, on tient bon du côté de l'UDM. 3 minutes à faire et on perd par un but encore. Il va falloir augmenter la pression ici si on veut aller marquer. Touche dangereuse ici de la part de Captain Polo. Et c'est le tir de Dr. B. Ça revient devant le filet. Le retour. Oh, et ça touche le poteau ici de la part de Truman State. Et on est très chanceux ici de la part des joueurs de l'UDM. Là, c'était très chaud. Captain Polo qui va tenter le tir. C'est vers le backboard plutôt. Là, ça va être dégagé par Dr. B. Dr. Love qui réussit son challenge. Finalement, le ballon qui se retrouve dans le coin de l'UDM. Et c'est une touche difficile là, de la part de Dby qui finalement va laisser pour Captain Polo. Dby qui va rater son challenge ici. Et finalement, c'est Dr. Love qui réussit le long dégagement. Captain Polo s'amène, mais aucun bout dans les avoirs. Le tir de Dr. Love se rate à la droite. Le challenge oh, de Dby. Dommage. C'est une bonne idée, mais finalement, il y avait un angle assez difficile pour marquer. Dr. Love qui va s'amener. En 1 contre 1, ça va être dégagé par Boss. Il y a une démo sur Dby. Attention, qui laisse le filet complètement ouvert. C'est Captain Polo pour réussir à revenir. Attends, non. Et on prend les devants par deux buts de la part de Truman State. Ah, cette touche un peu chanceuse qui va encore une fois qui va permettre d'aller mettre le but. 2 minutes 17 à faire, 2 buts à aller marquer, c'est loin d'être fini, mais c'est pas une situation optimale, ça c'est sûr. Qui va essayer de garder ce ballon pour Captain Polo, mais il va pas pouvoir la mettre au fond. Ce but qui va encore toucher ce ballon. Et finalement, ça va être Sakari Yoshi qui va l'envoyer dans le corner. Idem, Captain Polo qui fait un bel arrêt, qui va l'envoyer totalement vers le filet. Est-ce qu'on va avoir une opportunité de tir? Non, Sbi était juste un petit peu plus lent que Dr. Bae. Captain Polo qui va pouvoir mettre une double tap sur son adversaire. Captain Polo, le bulldozer, qui va bloquer deux joueurs. Et qui va aller la mettre. C'était excellent comme jeu ici. Et voilà. On bloque Soccer Yoshi et on marque. Encore une fois, on se retrouve à un but d'écart, mais là, il va falloir aller marquer ce but-là. Ouais, là, celui-là, il est important à les mettre. Il faut pas encore perdre avec un match, avec un but d'écart encore, sinon ça aurait été terrible. Et là, les joueurs de l'UDEM ont peut-être une opportunité de le faire. Dr. Love qui va s'est repassé, malheureusement. Fabric qui va mettre un gros tir, mais ça va être bien repoussé par Sbi. Et on va un peu commit pour les joueurs de l'UDEM, mais finalement, on ne sera pas sanctionné. Sbi qui va garder ce ballon en vie dans le camp de Truman State. Dr. Love et Captain Polo qui étaient les deux sur ce ballon. Soccer Yoshi qui fait un très beau dégagement. Et il va éliminer un certain nombre de joueurs. Finalement, ce sera Captain Polo qui sera à la retombée de ce ballon, qui va pouvoir essayer de faker un peu. Il va se faire totalement de démo, dommage. Sbi qui va se faire passer, Dr. Love qui sera bien là pour repousser ce ballon. Et Buzz qui va encore une fois être à la défense. Et là on a un filet attention qui peut être dangereux. Soccer Yoshi à la retombée de ce ballon qui fera un tir pas du tout dangereux puisque c'était une passe pour Buzz. Sbi qui sera bien là pour défendre. Sbi qui va essayer de passer les joueurs en fakeant. Finalement ça ne le fera pas. Captain Polo qui avait essayé de prendre son opportunité de tir. Zbim, peut-être une belle. Et on crée l'égalité avec 20 secondes à faire, mesdames, messieurs. Oui. Dans le chat, on spam. Point d'exclamation bleu les amis.
Let's go! Oh. On a besoin d'encouragement. Allez! Allez, les bleus. Est-ce qu'on peut marquer dans les 20 dernières secondes et gagner dans le temps réglementaire? Attention! Attention à ne pas se prendre une butte au contraire. Sbi qui va pouvoir faire quelque chose. Non, malheureusement, il pourra pas prendre le tir. Captain Polo qui va kebab. Dr. Love qui sera là sur ce ballon. Attention, 4 secondes. À pas se prendre un tir de bus. Non, ce ballon va toucher le sol et c'est la prolongation. Allez, let's go. On la gagne, cette prolongue. On va chercher le 3-3. On se rappelle, il y a 2 semaines, on avait remporté les 3 matchs en prolongation face à Boston University. Donc c'est clairement notre zone de confort, la prolongation pour la team 2. Ouais. Et allez. On veut absolument aller chercher ce match-là ici, là. Ouais, clairement, on va aller chercher cette balle de match, ce dernier match, ce Game 7. On en a besoin. Et voilà, Data là dans son point, va tenter la touche, c'est difficile ici. Là, attention, le ballon se retrouve devant le filet. Oh, Captain Polo qui rate. SB. Espérons que c'est une autre touche. SB qui nous sauve là, clairement. SB, vraiment une touche extrêmement importante ici. Captain Polo qui va essayer à sortir son territoire. On va s'amener en 1 contre 1 face à Dr. B. Et c'est Dr. B qui va réussir le dégagement, mais aucun boost dans le réservoir. Captain Polo un peu plus loin, mais c'est aussitôt récupéré par Sakura Yoshi. Finalement, c'est Captain Polo qui s'amène. Et voilà, Captain Polo, est-ce qu'il peut réussir un autre dinguerie? Finalement, on va se faire contrer par Dr. B. Dr. Love qui attend à son tour, qui va s'amener, mettre beaucoup de pression. Là, la touche de boss vers son coéquipier, Sakura Yoshi. Là, je dis attention, il doit faire cette touche-là. C'est bien fait, Sakura Yoshi, pour le milieu. Finalement, c'est Dr. B qui récupère, ça va se retrouver dans le coin. SB s'amène. SB qui va tenter le challenge, ça se retrouve très haut dans les airs. Ça va être récupéré par Dr. Love qui réussit le dégagement. Il va essayer partiellement à bumper Sakura Yoshi. Captain Polo. Et là, ça se retrouve devant le filet pour SB, mais finalement, ça va être Dr. B qui va récupérer. Dr. B pour son coéquipier. Le tic. Dr. Love. Ouais. Et on joue très bien en défense du côté du BM. Attention à la démo sur Captain Polo. Le ballon a un drôle de rebond ici devant le filet. Ça va être récupéré par Sakura Yoshi qui passe pour Dr. B qui rate un peu sa touche. Là, ça se retrouve en territoire du DM. Oh attention, encore Captain Polo. Le Dr. Love, oui, pardon. Et là, SB qui va récupérer par les milieux de terrain. Dr. B qui est quand même un peu plus loin. Captain Polo qui rate sa touche. Même chose pour Dr. Love. Attention, c'est le filet complètement ouvert. Oh non! Malheureusement, Dr. B qui va marquer et sceller l'issue de ce débat. En prolongation avec 2 minutes d'écoulées. Et malheureusement, mesdames, messieurs, c'est la fin de la saison du club d'e-sports de l'UDM ce soir. C'était le dernier stream qu'on vous avait pour vous. Et malheureusement, ça se retrouve avec une défaite en overtime. Vraiment pas la manière dont on voulait conclure ça ce soir, mais que voulez-vous? Il y aura toujours des perdants et des gagnants dans le e-sports. Et malheureusement, ce soir, c'est l'UDM qui se retrouve du côté des perdants, mais quand même une très belle performance des joueurs de la Team 2 ce soir. Ouais, c'est sûr. Après, on peut peut-être être un peu déçu que King Head n'ait pas pu jouer. Forcément, c'est jamais facile de jouer avec un remplaçant. Surtout de dernière minute comme ça. Mais bon, ils se seront quand même bien battus. Et malheureusement, ça va être une défaite. Et ça va être un top 4 quand même pour la team 2. Donc, une belle performance. Mais c'est ici que le voyage s'arrête. Ouais, et j'ai remarqué beaucoup de gens dans le chat. Merci d'avoir été là ce soir, encore une fois, tout le monde. Et je pense qu'il y avait des fans de Truman State aussi sur notre chat. Donc, merci d'avoir été là, même si vous ne deviez pas comprendre grand-chose de notre casting. Thank you, guys. UTC... Hope you wins next week, yeah. Well, I'm a little tired, so am I English too. But hope you wins next week. So yeah, thanks a lot. And I hope they win the final. Yeah, definitely. Yep. So, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Ça a été une drôle de session d'hiver. Malheureusement, on s'est quand même rendu en demi-finale. C'est quand même rien. C'est quand même bien, je trouve.
Oui, bah oui, forcément, ça fait quand même, ça fait quand même un beau, une belle performance de la part des joueurs de la team 2. Définitivement, Donc définitivement. ça fait plaisir. Je vous On aurait souhaite aimé, un. une finale, quoi, c'est dommage. Oui, définitivement, définitivement. J'étais pas prêt à aller jouer au golf comme les joueurs de hockey, puisque c'est fini l'UDM. On s'en va tous au golf. Mais ouais, allez, un gros merci, messieurs, pour ce beau printemps. Puis je vous laisse le mot de la fin, surtout à notre beau directeur. Donc, vas-y, mon ami. Ben, merci d'avoir été là, mes chers co-casters. À chaque semaine, vous avez été incroyables. Je pense qu'on n'aurait pas pu offrir des streams de qualité sans vous. Donc, en tant que président, je suis bien content de vous avoir à mes côtés pour les streams à chaque semaine le lundi. Et sinon, du côté de Rocket League, c'est la fin de la saison, mais on va être en action au LAN du Cégep Édouard-Montpetit au début du mois de mai. Donc, peut-être qu'on va avoir un stream pour vous à vous offrir, à voir. Et sinon, on souhaite bonne chance à nos équipes de Valorant et CSGO qui vont être présentes au LAN ETS. Vous ne voulez pas manquer ça. Ça va être le plus gros LAN au Canada. Et vraiment, moi, je ne serai pas là malheureusement, mais je souhaite bonne chance à nos deux équipes qui vont être sur place. Et sinon, on va se retrouver à la session d'automne en septembre pour les prochains matchs de Rocket League de la saison d'automne 2023. Donc, ce sera probablement beaucoup de changements de roster de la part des joueurs de l'UDM. Mais bien de voir nos petits nouveaux. Et Oui. sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée de lundi de Pâques et une bonne fin de session à tout le monde qui sont aux études. Bonne chance dans vos examens et dans vos travaux finaux. Et sur ce, passez une excellente fin de soirée. Gros love tout le monde. Bye Ciao, ciao.